Alors, nous sommes sur la tier liste des billes. Voilà, donc cinquième... Cinquième? Oui, cinquième, déjà cinquième tier liste. La tier liste des billes, alors ça tombe bien parce qu'on va faire un peu de marbles après. Le classement de ces billes, classé de borf à de l'art. Alors moi, j'ai beaucoup joué aux billes quand j'étais petit. Voilà, on n'avait pas, comment dire, de... Voilà, les Game Boy, tout ça, ça n'existait pas encore. Hein. Mais on avait des billes. Et les billes, c'était stylé, hein. Il y a vraiment des superbes billes. Est-ce qu'il y avait Pi plus Calo? Ouais, je pense que... Comment? Ah oui, la pub, n'oubliez pas la pub. N'oubliez pas, bien sûr, d'acheter tout ça. Tiens, d'ailleurs, je sais même pas si ça... Ah, si ça Oh putain, il check direct un membre du chat, quoi. Putain, j'avais pas vu ça, c'est rigolo. Hey, break it! Achète-toi un superbe casque! Terrible, c'est plus personnalisé. Ah, je connaissais pas ça. Voilà, on va les classer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, les tier list, je les découvre souvent au dernier moment. C'est pas moi qui les ai faites. Hein, qu'on soit d'accord, c'est pas moi qui choisis ces skins de billes, c'est pas moi qui choisis les classements là. C'est les viewers, c'est vous qui choisissez les tier list qui vont être faits durant ces 24 tier list de l'avant, du coup. Donc là, on va entamer la cinquième avec cette magnifique bille. Bille un peu flamme, étincelle. Franchement, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, ça, c'est bien une bille que j'ajouterai à ma collection, quoi. Pour le coup. Ah ouais, non, si, si, elle est solide, hein. Mais après, est-ce qu'elle est blanche aussi? Ou est-ce que c'est transparent? Bah, blanche, ça perd un peu de son charme quand même, hein. Mais ouais, je valide, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, on a cette chose. Cette chose pas folle, hein. On comprend pas trop ce qui se passe dans cette bille. Ouais, vert bleu, violet, enfin, vert bleu, noir. C'est un peu la sombritude, c'est un peu. C'est un peu triste, hein. Ça, de l'art, ouais, non, c'est moche, quoi. Ouais, non. Ça c'est triste, ça c'est d'une tristesse sans nom quoi. Mais regarde la couleur quoi! Genre y a vraiment des gens qui aiment ça? Enfin, je ne pense pas quoi. Ça semble une planète, oh bah super. Hein. De regarder la grande image. Ah! Alors attendez, parce que c'est vrai que. Ah merde, putain, j'ai perdu la. Alors c'est vrai que Papa Biggie, c'est lui qui les a faites du coup et. Et comment? Il m'a mis les grandes images aussi. Alors fais voir un peu, c'est avant Marvel, donc c'est celle-là. Ah, bon, ça peut jouer. Vois un peu. Ouais, ok. Attendez, est-ce que je peux. Attends, en fait, je suis con, je vais mettre le lien. Mais je crois que. Attends, ah, si, il va peut-être capter. Fais voir un peu. Vous voyez là si je fais ça? Ok. Bon, parfait. On va la refaire parce qu'effectivement. Bon, alors, si ça veut bien charger, parce que sinon c'est compliqué, hein. Tout ce qui est univers, like, j'aime bien. Alors, ça ne veut pas charger. Ah, bah super, il n'y en a plus aucune qui veut charger, quoi. Super! J'aime ma vie, j'aime ma connexion. Allez, bille, pépite, tout seul. Pourquoi c'est marrant, parce qu'ici, j'avais aucun problème à l'afficher, là, c'est plus chiant, quoi. Ok, alors effectivement, en regardant de plus près, c'est plus joli quand même, effectivement. Du coup, effectivement, on va le monter. On va dire, c'est beau. C'est beau. Enfin, un peu. Ouais, franchement, c'est pas dégueu. On va faire voir celle-là, du coup. Bah, c'est vrai que du coup, celle-là, en grand, elle perd un peu de son charme. C'est joli quand même, j'aime bien les couleurs. Moi, je suis plus couleur chaude, hein, du coup, donc... ensuite, on a celle-là. Ah putain, ça avait tellement dû une plombe à s'afficher. J'aurais dû le faire avant. Hein. C'est influençable. Non, mais c'est vrai qu'en grand, ça te donne une autre dimension au truc, quoi. Donc ça charge. Ouais, celle-là. Ouais, c'est potable. Hein. C'est rien de transcendant. Après, si la forme est jolie quand même. Un peu. Ouais, c'est rien de transcendant. Hein.
Celle-là, à mon avis, potable. Elle a pas l'air super jolie. Hein. C'est la bille ensanglantée, quoi. Non, c'est la bille qui a roulé sur du ketchup, ça. Genre, tu joues en cuisine et bim. Paf, tu renverses le ketchup, t'as la bille qui roule dessus, l'enfer. Voilà, l'enfer. À qui ça n'est jamais arrivé, ça, finalement Pas tout le monde, en fait. Hein. Personne joue à des billes dans une cuisine. Et du ketchup, c'est complètement débile. Donc oui, ça n'est arrivé à personne, effectivement. Ouais, ça fait un peu vomito, hein, quand même. C'est un peu pas propre. Hein. Ensuite, on a les calots œil de chat. Putain, je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça. Oh, c'est potable, hein, c'est un peu la simplicité. Il manque les billes chinoises. Ah, c'est pas ma liste, hein, c'est la liste qu'on m'a filée. Hein. Voilà, on est sur... C'est beau, mais c'est archi classique, quoi. Le Mammoth Universe. Alors, nous, les billes pétrole, franchement, moi, je kiffais. Hein, c'est de l'art, hein, les billes pétrole. C'est archi beau. Hein. C'est les billes qu'on focusait. Enfin, moi, c'est les billes que je focusais quand j'étais petit. Hein. Ah ouais, ça... Ça, c'est de l'art. C'est de l'art. Hein. Après, on pourrait croire que c'est moins de l'art que celle-là, mais moi, je préfère. Donc, c'est plus de l'art pour moi. Ah ouais, mais regardez-moi ça, cette beauté, là. Ce jaune qui ressort, ce gold. Là, c'est goldé, hein, c'est goldé. Et là, c'est l'univers, l'or, l'argent. Enfin, c'est un magnifique combo, quoi. C'est un magnifique combo. Alors, par contre, celle-là, je veux bien l'avoir de plus près parce que... Genre, j'ai pas l'impression que c'est une bille, mais si c'est vraiment une bille, ça serait la folie, quoi. Et de racheter des billes de cette tier list. Ah, la plus belle. En fait, Genre, c'est une vraie bille, ça. Et je me demande comment tu peux... Enfin, je me demande comment elle est quand tu la regardes sur le côté, en fait. Mais ouais, elle est bien. C'est beau. C'est beau. Ensuite, celle-là, elle m'a l'air archi classique. Non, c'est que les vraies billes, d'accord. Du coup, c'est beau. Hein. Celle-là, bof, on va la mettre en grand, mais bon, à mon avis... C'est pas transcendant, celle-là, franchement, c'est bof aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les billes pépites, putain. Ah, c'est vraiment sale, hein, quand même. Ouais, c'est quoi, celle-là? C'est ce que j'ai pris sur des sites de magasins spécialisés. Sérieux? Ouais. Et que tu trouves à 10 euros à Mammoth. À Mammoth, à 10 francs. Mammoth. Ah, je vais voir celle-là de plus près, la constellation. J'aime pas du tout. Ah non, ça c'est caca, ça. Les billes pépites, alors bon, en bleu, c'est pas les plus folles, mais moi, je kiffais les billes pépites, en fait. C'était un peu les prémices de Minecraft, finalement. Les blocs de gemmes et tout. Et voilà, avant que ça soit une brique, c'était une bille, quoi. Tu vois, genre là, c'est gisement de cobalt, tu vois. Ouais, ça, j'aime bien, c'est joli. Franchement, j'apprécie. J'apprécie cette bille. Ensuite, on a la bille éclair. Déjà, je peux vous dire que l'œil, j'aime pas du tout. Après, les autres, faut que je regarde de plus près. Celle-là, je pense que c'est juste une boule transparente, on va mettre dans potable. Par contre, les autres, faut que je zoome un peu. Ah ouais, celle-là, elle est bien. En fait, c'est presque un peu comme celle-là, mais en mieux, en fait. Ouais, franchement, j'aime bien. Le sébo est valide. Celle-là, la bille Figaro. Ah ben là, vous voyez, une surcharge de couleurs, c'est pas bon. Une surcharge de couleurs, c'est pas bon. Il y a trop. Des fois, il faut savoir se limiter, hein. Oh, il y en a un qui est pas dans le classement. Ah, bref. Déjà, on dirait que c'est même pas une bille ronde, on dirait que c'est une bille plate. Ouais, c'est vraiment pas fou, hein. J'aurais pu en mettre plus. Ouais, mais après, on sait jamais combien de temps on va mettre pour faire...
Réaliser. Bon, bah, comme ça, tu sauras pour les prochaines, bah. C'est pas grave. Ouais, du coup, celle-là... Ouais, je mettrai potable, parce que vraiment, j'aime pas trop. Ensuite, on a celle-là, la Oosterbay. Oosterbay. Oosterbay bleu. Cabochon, œil de tigre. Oula, ça promet, ça aussi. Ce sera la dernière qu'on classera, hein, finalement. Fais voir ça. Oyster, c'est huileux, c'est ça, c'est huître. Ah oui, d'accord, huître, ok. Ouais, bah oui. Ça rend la bille un peu plus logique. Ouais, j'aime pas non plus, hein. J'aime pas non plus. Et la dernière, cabochon œil de tigre. Donc ça charge évidemment. Après les billes, ouais. En fait, les billes, c'est comment? Classer des billes, ça va assez vite parce que c'est j'aime, j'aime pas, t'as pas trop besoin d'arguments. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ça va être en joli, ça. Je mettrai pas plus haut, je pense. Bon, voilà, du coup, on aura clôturé aussi cette cinquième tier list. Hein. Celle-là, on va la mettre bah, dimanche, du coup. Dimanche 18h30. En fait, là, vous voyez enfin, pour ceux du chat Twitch, hein, vous voyez ces tier list en avant-première, hein, parce que c'est celles qui vont arriver sur le YouTube, du coup, demain et après-demain. Mais voilà, non mais c'est... Tiens, les ébis, c'est pas débile, hein. Après, bon, alors, celles qui sont tout en bas, oui, la grille, là, elle est plus la merde. Ça va, je valide, à part la petite silver en bas. Quoi, celle-là, tu veux la mettre ailleurs, par d'Alice? Oh, pourtant, elle est... Enfin, c'est assez classique, quoi. Et j'aurais mis en haut. Genre à de l'art. Ouais, mais... En fait, elle est belle, mais je me rends pas compte de... De comment ça serait en vrai, en fait. Lui serait peut-être pas si fou que ça, quoi. On va rester comme ça, on met qu'une seule personne sur le trône, hein, comme d'hab. Ouais, alors en bas, on a ça, archi classique, et pas joli. La bille en je sais pas quoi, là, la bille en fer, là, elle pue. Celle-là, elle coûte cher, mais elle est moche. Et l'œil, bon, c'est juste dégueulasse, quoi. Sortons les mots. Dans potable, on a la bille qui a roulé dans du ketchup, on a les œils de... C'est quoi, comment déjà? Les œils de lynx? Œil de chat. La classique transparente, une trop colorée à mon goût, et une bleue que j'aime pas trop. En joli, on a rouge, jaune, blanc, solide, un beau trio de couleurs, une belle petite bille bien custom à l'intérieur. Les billes pépites, classiques mais efficaces. Mais ça joue un peu sur la... Putain, j'ai plus le mot. La... Le contraste. Voilà, le bleu qui contraste le gris, voilà, c'est beau. Celle-là, je sais plus comment elle s'appelle. Œil de lynx, je sais plus. Pas mal. Et dans c'est beau, ouais, alors c'est beau. C'est vrai que celle-là, je l'avais un peu mal jugée, mais c'est vrai qu'en regardant en gros plan, archi clean. La violette, elle est nickel. Mais ouais, Alors normalement ce sont des vraies billes, mais je me demande comment c'est sur les côtés en fait. C'est ça qui m'inquiète un peu avec cette bille-là. Et là la bille Pokéball Pikachu, validée aussi. Hein. Et la plus belle pour la fin, c'est la bille Galaxy, la bille Pétrole, ce que vous voulez. Avec les plus belles couleurs du monde sur une bille. Oui, c'est dit. C'est dit. Les plus belles couleurs sur une bille, c'est dans la bille Pétrole Galaxy. Ou autrement appelée Universe. La bille Universe. Voilà, bah j'espère que cette cinquième tier list vous a plu, courte mais efficace. Du coup, bah on se retrouve demain pour une nouvelle tier list. Et bisous. Et bisous.